Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. L'historien que vous allez entendre est actuellement un archiviste dans les archives qui se trouvent dans notre ville. Monsieur Bernard Wilquin a fait là, avec d'autres, une magnifique découverte et un fonds d'archives assez exceptionnel. C'est la correspondance de soldats de la Grande Armée, donc des armées napoléoniennes, liégeois, écrivant à leur famille. Le hasard fait que, à Liège, un nombre énorme de ces courriers, de ces lettres, ont été rassemblés et figurent dans nos fonds d'archives. Et c'est exceptionnel parce que, à notre connaissance, nulle part ailleurs, on a un fonds semblable. Dans aucune ville connue de nous, on ne dispose d'un tel fonds. Alors ceci nous plonge, et c'est ça qui est intéressant et passionnant, dans le quotidien des hommes de troupes, dans le quotidien de ces guerriers qui, dans la Grande Armée, traversaient l'Europe de l'Espagne à Austerlitz, à la Moskova, à la Bérédina, etc. Et ils écrivaient à leur famille en leur parlant de toutes les questions, de tous les problèmes qu'ils se posaient, etc. Donc, nous avons la chance d'avoir avec nous un spécialiste, docteur en histoire de surcroît, de ces questions. Donc, je crois que nous allons retrouver, et je l'espère, le ton familier et je dirais local des regards que les Liégeois et surtout ceux qui se battaient pouvaient porter sur les guerres napoléoniennes. Voilà. Nous allons retrouver peut-être un peu du peuple de Liège de l'époque. Je me permets d'abord de commencer en vous remerciant d'être venus nombreux hein, ici. Et je vous exprime mon émotion, puisque la dernière fois que j'étais dans cette salle, j'avais 11 ans, c'était en 1993, et je m'apprêtais à découvrir Jurassic Park. Donc, comme quoi le temps passe, la mémoire reste. Ce n'est pourtant pas un phénomène marquant, ni un film particulièrement spectaculaire. Hein. Enfin, si. Mais la mémoire, elle a quelque chose d'amusant. Elle peut être personnelle, elle peut être aussi collective, évidemment. Parfois des choses relativement anodines, mais aussi dans l'histoire des événements qui le sont beaucoup moins, qui sont très marquants, comme précisément la grande épopée évidemment de Napoléon, qui est une période qui refuse réellement de mourir, hein, qui est à mon sens bien plus marquante que Jurassic Park. Vous le savez, hein, nous avons eu 2015, le bicentenaire de la bataille de Waterloo, 2021, le bicentenaire de la mort de Napoléon, bien sûr. On aurait dû d'ailleurs avoir cette conférence il y a 2 ans. Il en a été autrement, puisque nous avons tous vécu un événement historique aussi, hein, le Covid, qui restera dans les annales, c'est une certitude. Quoi qu'il en soit, on a vu que Napoléon est un personnage qui continue à fasciner, à intéresser. D'ailleurs, si vous êtes aussi nombreux, c'est partiellement, je pense, pour ça. C'est un personnage dont on parle beaucoup, évidemment, dans la littérature. Je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un ouvrage soit écrit sur Napoléon, quelque part dans le monde, et ce depuis qu'il est mort. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur de la tâche si vous voulez tout lire. Il y a évidemment des bandes dessinées, des jeux vidéo, des films aussi. Hein. Je mentionnerai par exemple celui-ci qui va sortir cette année. Nouveau film sur la vie de Napoléon réalisé par Ridley Scott, le réalisateur de Blade Runner et de Gladiator, que vous connaissez tous certainement, avec Joaquin Phoenix, qui jouait l'infâme Commode d'ailleurs dans Gladiator. Mais donc tout ça vous montre vraiment le succès de Napoléon. Pourtant, on peut le dire, même si on écrit beaucoup sur l'individu, on parle nettement moins de certaines personnes, et en particulier de ces soldats. Alors, je ne parle pas ici, évidemment, des maréchaux, des généraux, des colonels, qui sont bien connus. Hein. Tout le monde connaît au minimum le nom de Ney, de Murat. Ce sont des personnages évidemment passionnants. Mais au-delà de ces individus, il y a aussi des cohortes de
d'anonymes qui ont servi par centaines de milliers dans les armées françaises, dont de nombreux liégeois, 20, 25 000 selon mes recherches, ce qui n'est quand même pas mal. Alors je parle évidemment ici du département de Lourdes, hein, l'ancêtre de la province de Liège, mais enfin c'est un nombre important. Et finalement, que sait-on de ces liégeois et de ces soldats, même en général des sans grade, des anonymes qui sont d'ailleurs souvent morts dans des régions reculées, eh bien, on n'en sait pas tant que ça. Les livres s'intéressent rarement à eux. Pourquoi? Eh bien, parce que les sources, finalement, ne sont pas si nombreuses, puisque souvent, ce sont des gens illettrés qui n'avaient pas pour vocation d'être connus et qui n'ont pas laissé énormément de témoignages. Donc, vous l'aurez compris, évidemment, ce soir, mon objectif, c'est de parler du Liégeois au sens large, qui a servi dans les armées françaises durant cette période fascinante. Je vais vous parler évidemment d'abord de la façon de l'approcher, parce qu'il y a, je crois que M. Botson l'a dit, il y a une source tout à fait exceptionnelle qui est conservée à Liège, je vais y revenir. Mais je vais vous parler de toutes les étapes en fait, de la vie d'un soldat liégeois de Napoléon, depuis le moment où il met les pieds dans l'armée, pourquoi, dans quelles conditions, jusqu'à son arrivée au régiment, l'équipement, son impression quand il est à l'entraînement avec des nouveaux camarades, les sensations qu'il a, la nourriture qu'il mange, jusqu'à son départ en campagne aussi, évidemment, les batailles, les campagnes, c'est quelque chose qui a marqué le Premier Empire. Napoléon est avant tout un chef de guerre, il faut bien se rappeler, c'est un officier de carrière, et de nombreux soldats liégeois vont avoir le plaisir, parfois, mais souvent le déplaisir, de combattre dans des guerres assez célèbres ou non, et vont en parler, vont parler de leur joie, de leur peine aussi, de leur ressenti. Ils vont parler des campagnes aussi, parce qu'ils vont voyager à gauche et à droite en Europe, et ils vont découvrir des contrées qui parfois sont très exotiques. Ils vont aussi découvrir l'alcool, la violence, les femmes aussi, la prostitution, l'amour aussi. Tout ça sera évoqué ce soir. Je terminerai en parlant évidemment aussi des destinées un petit peu funestes qui attendent les Liégeois au terme de leur service, les blessures évidemment, avec des hôpitaux, avec un traitement parfois inhumain, la mort bien sûr sur le champ de bataille, la captivité aussi en Angleterre pour pas mal de Liégeois, le retour au pays et aussi évidemment l'après, le retour à Liège pour ceux qui ont la chance d'être revenus, le souvenir et les perturbations psychologiques évidemment aussi. Programme vaste donc, qui se base sur une source tout à fait remarquable et unique qui est conservée aux archives de l'État à Liège. Ça tombe bien, j'y travaille. Donc je vais en faire un petit peu la promotion. Alors il s'agit en fait d'une collection de 1500 lettres de soldats de Liégeois, donc au sens large, hein, on s'entend bien, du département de Lourdes. Alors, c'est quoi le département de Lourdes? Eh bien, c'est celui que vous voyez en rouge, avec comme chef-lieu Liège, évidemment, qui, je l'ai dit, est un plus ou moins l'ancêtre de la province de Liège. On ne va pas chipoter ici, hein, ce n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, par raison de facilité. Et alors, ces lettres, elles ont l'avantage d'avoir été écrites par des sans-grades, comme je l'ai dit, des soldats, des caporaux, des sergents. Il y a quelques lettres de sous-lieutenants, etc., mais très peu. Ce sont des lettres qui ont été conservées pour des raisons administratives, j'y reviendrai, je vais vous expliquer tout ça, qui n'ont pas été conservées pour leur contenu, mais juste pour les cachets qui sont dessus. Mais elles ont un énorme avantage, c'est qu'elles elles étaient censées être privées, ces lettres-là. Ce sont des témoignages aux familles des soldats. Et donc, on y parle de tout et de rien. Certaines lettres sont terriblement embêtantes. Certaines sont passionnantes, certaines sont entre les deux, on peut le dire. Alors le grand avantage aussi, c'est que les Liégeois, comme tous les autres Français de l'époque, vont être envoyés dans des régiments divers. Il n'y a pas de régiment liégeois à proprement parler à l'époque. Il y a des régiments d'infanterie dans lesquels on va en trouver quelques dizaines. Mais on voit des Liégeois qui vont servir dans les régiments d'infanterie, dans la garde impériale, dans la marine, dans l'artillerie, donc dans la cavalerie, bien sûr. Tout y passe. Et on a vraiment un panel représentatif de l'armée française de l'époque. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Alors,
Je l'ai dit, en matière de chiffres, en matière de conscrits du département de Lourdes, combien sont-ils? Eh bien, mon papa et moi-même, puisque je travaille de concert avec mon père, je vous l'ai dit, après le frère, il y a aussi le père qui est historien lui aussi, eh bien, nous en avons trouvé environ 25 000, ce qui est quand même déjà conséquent. Je vous parlerai des pertes évidemment plus tard, mais 25 000 conscrits, donc sur environ 200 000 pour la Belgique. Donc c'est quand même assez bien. On voit 1 500 lettres, c'est déjà un échantillon assez représentatif. Hein, finalement, c'est quand même pas mal en pourcentage. Alors, les lettres, évidemment, ça a un avantage énorme. Ça n'a pas été écrit pour la gloire, ça n'a pas été écrit pour la postérité. Il y a quand même des limitations. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que un fils ne raconte pas tout à sa mère. Il ne va pas nécessairement, par exemple, parler de prostituées. Quoique, vous allez voir, on a parfois des surprises quand même. Par contre, on a d'autres surprises. On a des conscrits qui vont parler de la mort, du plaisir qu'ils ont à tuer des gens, à leurs parents. On a vraiment comme ça un panaché assez impressionnant, mais il faut quand même se rappeler que c'est une source inégale. Il y a quand même des tabous à l'époque, évidemment, il y a la religion qui intervient, je vous l'ai dit, il y a tout ce qui est sexualité. Par exemple, on sait qu'en captivité, beaucoup de soldats se sont livrés à l'homosexualité, mais on n'a aucun témoignage dans les sources liégeoises. Il faut se référer à des lettres de soldats français pour avoir une idée un peu plus précise de la chose. Mais tout ça est riche en contenu, en détails et même parfois illustré. Alors je vous montre directement à quoi ressemble une lettre de conscrit. En voilà une, qui est assez belle, hein, on le voit ici. Elle est bien écrite, celle-là, elle est illustrée comme je l'ai dit. Donc le principe, c'est pré-imprimé en fait, et alors le soldat va, soit lui-même, soit avec l'aide d'un artiste, peindre l'illustration pour montrer par exemple à quoi va ressembler son uniforme de soldat. Ça permet de visualiser à une époque évidemment où on n'a pas de photos et où le commun des mortels n'a pas accès aux peintures. Celle-ci est bien écrite, d'une écriture lisible, c'est quelqu'un d'éduqué, d'un régiment de chasseurs. Parfois, ce n'est pas le cas, il n'y a pas de ponctuation, l'orthographe est catastrophique, et je peux même vous dire que dans certains cas, il faut lire la lettre de façon orale pour essayer de déchiffrer, et de préférence avec un accent liégeois très poussé, parce qu'on voit que ça a une influence. Rappelons-nous quand même que nos ancêtres parlaient quand même fréquemment le wallon entre eux, il y avait une maîtrise plus qu'imparfaite du français, c'est quelque chose de très marqué. Je reviendrai aussi sur évidemment les questions d'alphabétisation, puisque tous les soldats, on s'en doute bien, ne savent pas lire et écrire. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Très concrètement, comment est-ce qu'on devient soldat de Napoléon? Eh bien, avant 1798, c'est sur une base volontaire. Hein, on va pas refaire l'histoire de la jeune République française, des levées en masse, la République en danger, etc. Il y a des volontaires, y compris des volontaires liégeois qui vont se ruer dans les armées françaises. C'est une certitude, mais force est de constater, quand on arrive en 1798, l'enthousiasme des premiers temps pour les idéaux de la République, eh bien, cet enthousiasme-là, il est quand même très largement refroidi. Il y a de nombreuses guerres aux frontières, c'est dangereux, les jeunes gens en ont conscience. Par ailleurs, partir à l'armée, c'est une aventure incertaine, aussi pour la famille, puisque un jeune homme dans un monde qui est très largement rural, eh bien, c'est une paire de bras en moins dans la ferme familiale, ce qui a un coût très important. Donc forcément, la République française, qui est en danger permanent, va devoir trouver une solution à ce problème. Et on va passer ce qu'on appelle la loi Jourdan, 1798, hein, du nom du général Jourdan, qui est bien connu, une loi qui va instaurer la conscription, le service militaire, donc obligatoire, ce qui est une nouveauté qui n'est pas particulièrement bien accueillie, évidemment, dans les familles, on s'en doute. Alors le système, il est relativement complexe, j'ai un petit peu simplifié ici, mais il s'agit d'un tirage au sort. Alors tous les hommes de 20 à 25 ans sont réunis à une date dite dans le chef-lieu du canton où ils résident, et ils vont tirer un numéro au sort, et en fonction de
de l'importance du numéro, bien soit ils vont se retrouver dans la réserve, soit ils vont être en danger en fonction des quotas, soit ils vont être appelés à partir à l'armée. Alors les quotas, ils sont établis à Paris, et puis il y a une division savante qui est faite en fonction des départements. Il y a donc un besoin d'hommes qui est fixé de façon centralisée et qui est dépêché dans les différents départements, avec la vigilance évidemment du préfet, qui est le représentant de l'empereur. Tous ces gens vont, après avoir tiré un numéro, passer un examen médical. Examen médical qui est recensé dans les archives aussi et qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il nous apprend énormément sur la condition physique du Liégeois de l'époque, avec des jeunes gens théoriquement en bonne santé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas terrible. On a énormément de Liégeois qui sont trop petits. À un tel point déjà qu'on va abaisser les critères à un moment. Donc la plupart des Liégeois de l'époque font environ 1m60. Beaucoup de jeunes gens sont réformés parce qu'ils font 1m50. C'est très courant. Il y en a des plus grands aussi. Alors si vous faites plus d'1m71, en général vous êtes affecté à la cavalerie, parce qu'il faut des gens d'une certaine stature pour pouvoir porter les armes, monter à cheval, supporter le poids d'une cuirasse. On apprend aussi des choses. On a beaucoup de motifs de conscription, de refus de conscription, parce qu'on a des fractures mal guéries, des bossus, des gens qui boitent. Alors on a des motifs aussi plus surprenants. On a ces individus qui sont réformés pour odeur fétide des pieds. Alors, connaissant l'hygiène de l'époque, je n'ose imaginer vraiment ce que ça doit être. Et alors, dans le département de l'Ourthe, on a aussi un cas d'hermaphrodite qu'on retrouve, qui est lui aussi renvoyé dans ses foyers. Donc voilà, on a une image déjà assez intéressante. Alors il faut savoir, et ça c'est important, que la conscription... pour les jeunes gens de 20 à 25 ans, eh bien, il y a moyen d'y échapper. Il y a quelques exemptions qui sont prévues par la loi. Et je vous les explique un petit peu. Il y a tout d'abord ceux qui n'ont plus de parents et qui sont les frères aînés, tout simplement parce qu'ils font office de chef de famille. Ce qui est logique, hein, puisqu'à l'époque, il n'y a pas de sécurité sociale, on vit du travail. Donc il faut bien que quelqu'un gère la ferme familiale, l'entreprise, l'artisanat, que sais-je. Et donc, ils vont s'occuper de la fratrie. Ou alors, s'ils ont une mère qui est veuve, ils font office de père. Dans le même esprit, on a aussi ceux qui ont des parents âgés de plus de 70 ans, ce qui est déjà un exploit à l'époque, puisque la moyenne de vie est quand même inférieure. Mais on considère qu'à 70 ans, eh bien, on est grabataire et que donc le fils doit suppléer aussi aux besoins des parents. Donc c'est le même esprit toujours. Alors on a une troisième catégorie qui m'a beaucoup amusé, ce sont celles évidemment des hommes mariés. Parce qu'étrangement, vous allez voir que dès que la conscription, eh bien, elle passe, la loi Jourdan, vous allez avoir tout d'un coup des amours improbables qui vont se développer entre de jeunes gens de 20 ans et des veuves de 90. Des mariages en masse comme ça où je pense que les jeunes gens ne prennent pas beaucoup de risques pour leur nuit de noces. Hein. Ça élève évidemment les sourcils au milieu de la conscription, mais enfin voilà, on ne sait rien y faire, la loi est ainsi faite. Mais effectivement, on voit beaucoup d'amour insolite à l'époque. Les prêtres aussi sont exemptés, en tout cas les candidats au séminaire. Et d'ailleurs, je peux vous annoncer qu'il y a une recrudescence de vocation. À partir de 1798, le Liégeois devient étonnamment beaucoup plus religieux. Et la dernière clause, elle est particulièrement importante pour nous. Pourquoi ? Eh bien, je vais l'expliquer. Donc, il s'agit en fait d'une règle qui dit que si on a un frère dans l'armée, le second est exempté. Alors, le troisième part, le quatrième reste, etc., etc. Vous avez compris, à l'époque, parfois, on a beaucoup d'enfants. Et... C'est très dur à approuver parce qu'il faut un certificat établi par le colonel du régiment dans lequel le grand frère sert. Et ce certificat, il est généralement envoyé, ce n'est pas le problème, mais il faut parfois des mois, voire des années pour qu'il arrive. On se souviendra que ceux qui servent en Espagne notamment, eh bien, le courrier est intercepté, les agents de la poste sont massacrés par la guérilla. Donc, il faut...
donner des preuves temporaires pour pouvoir prouver que le frère sert. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va prendre les lettres des soldats qui sont déjà arrivés à la maison. Ces lettres sont données au préfet ou à la préfecture, en tout cas, parce qu'il y a déjà le cachet du régiment et le contenu qui prouve la bonne foi de la famille. Et ces lettres sont celles que nous possédons aux archives de l'État à Liège. La loi dit qu'en théorie, elles doivent être restituées aux familles. Mais en bon liégeois, évidemment, le préfet n'a pas fait son travail et se restait dans l'administration. Et par chance, ça a survécu pendant 200 ans. Alors, nous sommes liégeois, hein, je le suis aussi, c'est pour ça que je me permets des boutades, mais si on a l'occasion de tricher, on va le faire. Hein. Le liégeois est malicieux par nature, et je l'ai dit, la conscription n'est pas bien accueillie, puisqu'elle représente un coût très important pour les familles. Pensons-y, hein, un jeune homme de 20 ans, c'est quelqu'un de vigoureux, qui travaille, qui a déjà acquis une expérience à la ferme, qui va souvent prendre le relais, et sa perte, c'est une tragédie pour le ménage. Donc il va y avoir des tentatives pour échapper à la conscription, plus ou moins intelligentes, surtout dans les campagnes d'ailleurs, on le remarque d'un point de vue statistique. Alors il y a de tout et de rien, il y en a qui vont simuler des handicaps, que ce soit physique ou dans la tête, il y en a qui vont se mutiler, hein. On connaît l'histoire des dents, notamment de ceux qui s'arrachent les dents, ce qui ne marche que rarement, en fait, parce qu'ils s'arrachent les dents pour pouvoir échapper au service dans l'infanterie, parce qu'on arrachait à l'époque les cartouches avec les dents, mais en fait, on les verse tout simplement alors chez les sapeurs, parce que là, pas besoin de dents, on peut manier la hache pour construire un pont. Il y en a qui se coupent des doigts aussi, ça c'est plus radical. Mais donc, tout y passe. Il y en a qui se cachent aussi dans les campagnes, notamment, qui vont d'ailleurs parfois former de véritables gangs, hein, qui vont rançonner même les villageois, les passants, à tel point que ça va devenir un fléau du Premier Empire, toutes ces bandes armées. Il y en a des particulièrement connus, pas si loin d'ici, chez nos amis ardennais. Vous connaissez peut-être Magonette et Jeunin, qui sont les héritiers d'un chef de bande qui lui-même était conscrit, Noyé le Poyou. Mais tout ça donc est entré dans l'imaginaire, mais est bien réel. Hein. Il y a une recrudescence de la criminalité à cause de la conscription et des moyens d'y échapper. Et alors, il y en a qui ont trouvé aussi des méthodes encore plus originales. Eh bien, ils vont dénoncer leurs camarades tricheurs au sein des cantons, auprès du préfet, en se disant que comme ça, ils se rendent utiles et qu'ils seront mieux à la maison que dans sous les drapeaux. Donc, on a des véritables lettres qui pourraient vous infliger une séance de nausée, hein, parce que c'est vraiment horrible. Ils disent « un tel se cache à tel endroit, un tel fait semblant d'avoir une maladie de la tête ». Je vous laisse imaginer, c'est la beauté de la nature humaine. Alors, des exemples de triche, on en trouve pas mal dans la correspondance. Ici, la première lettre que je vais vous lire, elle n'émane pas d'un conscrit, mais elle émane d'un notaire, qui, je le rappelle, est un agent de l'État, hein, et qui est chargé notamment de surveiller un petit peu la conscription. Et ce notaire, c'est un certain Henri Fafchamp, qui est notaire à Housse, de 1772 à 1815, et il écrit au préfet du département de l'Ourthe pour parler des conscrits du canton de Dalhem en 1807. On a assuré à l'auteur de la lettre, et il paraît tout à fait raisonnable, que beaucoup de conscrits valides et maintenus comme tels se flattent d'être réformés, ou ce qui ne diffère guère, d'être ajournés à 1808, moyennant une finance qu'ils font passer à des escrocs. Les escrocs suggèrent aux conscrits les moyens employés pour paraître débiles, pour les faire pâlir, pour paraître incapables de soutenir les fatigues de la guerre vis-à-vis de quiconque n'est pas un peu initié dans ce genre de supercherie. Il leur suggère aussi d'autres moyens que le temps ne permet pas de tracer ici. À la revue, on fait placer ces individus prétendument incapables de soutenir les fatigues et un officier du recrutement les fait passer en masse au conseil où, prévenus en leur faveur, ils en demandent la réforme. Ce conseil, privé de renseignements qui lui seraient pour le moins aussi nécessaires qu'à l'examen, se laisse tromper et les réformes demandées ont lieu. On le voit, c'est carrément de la triche organisée. Hein. On payait des officiers de l'armée française pour, ici, faire passer les conscrits pour incapables de supporter le service. Il y a quand même toute une organisation derrière.
Alors, autre exemple absolument truculent, c'est une lettre anonyme qui était écrite en 1813 par un groupe de conscrits de Glon, cette fois-ci, qui s'en va, il est sur la route, ce sont des soldats qui ont été choisis donc, comme, et reconnus comme bons pour le service et qui sont en partance pour le 3e cuirassier. Et ces soldats, ils ne sont pas contents parce que un de leurs camarades, il l'estime, en tout cas, a fait semblant d'avoir des afflictions qui lui ont permis de rester à la maison. Vous allez voir, c'est magnifique et évidemment, ce n'est pas signé. Dex, le 21 février 1813. Monsieur le préfet, pour vous informer de Sieur Simon Collet, alors je vous préviens, ce n'est pas du Baudelaire, conscrit de 1811 de la commune de Vivenis, canton de Glon, département de l'Ourthe, pour l'infirmité qu'il veut prouver avec le mal qu'il a sur sa tête, ça n'est pas juste. Si nous aurions voulu, nous aurions fait autant. 3 semaines de réforme dans sa maison et sa tête sera guérie. C'est un conscrit réfractaire qui veut tromper notre empereur et ses camarades. Enfin, monsieur le préfet, nous avons pris la complaisance de vous écrire, étant en route, que nous ne sommes pas contents de le voir réformé. Vous estimez mieux de complaire à un seul homme pour déplaire à tous les conscrits du canton. On est tous bons pour servir. Il ne faut pas faire plus pour l'un que pour l'autre. Nous sommes résolus tous ensemble, quand nous serons arrivés à Mayence, que j'écrirai à mon père pour savoir s'il est parti pour l'armée. Puisque l'on fait plus que de l'un pour l'autre, quand nous serons arrivés en Russie, nous sommes résolus à foutre le camp chez les Russes. Faites attention à cette lettre, monsieur le préfet. Nous vous saluons tous ensemble. Et là, carrément, je peux le dire platement, il se fout de la poire du préfet. Monsieur le préfet, baron, etc., etc., etc. Et alors, ils finissent en disant cette magnifique phrase. Nous n'avons pas signé notre nom, nous avons mieux à faire. Alors, je vous le dis, le Liégeois est particulier par nature. Et alors, cet exemple-là, je l'adore parce que, voilà, je vous l'ai dit, je suis aussi partiellement Liégeois, mais j'ai aussi des ancêtres qui viennent du département des Forêts, donc c'est juste la province de Luxembourg, hein, on est bien d'accord. Et les deux uruberlus que je vous montre ici, ce sont mon ancêtre direct, Georges Wilquin, et son frère Antoine Wilquin, tous les deux appelés à servir dans un régiment, le 10e de cuirassiers, en 1802, si ma mémoire est bonne. Et les deux individus, manifestement, sont assez sinistres. Hein, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une chose qu'on peut constater directement, je vous ai dit que si on a un grand frère qui sert dans l'armée, le petit, théoriquement, n'y va pas. Il faut savoir que la France ne respecte jamais, quasiment, les conditions imposées. Hein. De même que le service militaire, théoriquement, il est limité dans le temps. Encore une fois, à moins d'avoir un bras en moins ou d'être sous terre, vous ne partez pas de l'armée française. Donc ici, vous avez deux frères. Il y en a 4 en tout, d'ailleurs les deux autres iront aussi dans l'armée, et ces deux frères sont envoyés tous les deux en même temps au 10e de régiment de cavalerie. Alors il faut savoir que les deux ont déserté à 2 reprises en 1802, ont été arrêtés, ils avaient fait défaut en plus que j'ai retrouvé dans les archives de l'État Arlon qui sont pitoyables, ils avaient juste gratté une lettre, ils avaient fait semblant d'avoir une réforme, donc c'est à mourir de rire. Et vous le voyez, il est mis déserteur, rentré dans la 3e case, les deux, hein, déserteur rentré le 12, et alors on voit ici que le premier, mon ancêtre direct, lui a été réformé pour cause d'infirmité le 27, il a encore vécu 45 ans après, hein, donc ne vous inquiétez pas pour lui. Le deuxième, et ça c'est très rare, je suis très content d'avoir trouvé, il est écrit qu'il a été chassé par les camarades pour mauvaise conduite. Et ça, je peux vous garantir que ce n'était pas des agneaux à l'époque, donc je me demande vraiment ce qu'il a fait. Voilà, vous l'avez vu, la conscription, c'est quelque chose, il y a des tentatives de triche, toujours est-il qu'il y en a quand même qui vont s'y coller, hein, qui vont partir. Alors comment est-ce que ça se passe concrètement? Eh bien, une fois qu'ils sont sélectionnés, on forme des petits détachements de 10, 15, 20 soldats qui vont partir en tenue civile avec un sous-officier, souvent un caporal, un sergent, et ils vont marcher. Marcher beaucoup, ça c'est toute une introduction à la vie militaire qui va les suivre pendant des années, parce que parfois les régiments sont stationnés en France, en Allemagne, en Espagne, que sais-je, et donc ils vont immédiatement être plongés dans le bain de la route, mais somme toute les premiers témoignages sont assez agréables, puisque eh bien, ils dorment à la belle étoile, dans des auberges, ça picole pas mal, hein, il faut bien le dire aussi, ils le disent clairement. Ils vont découvrir aussi le tourisme, hein, finalement, parce que faut bien se rappeler qu'à l'époque,
on ne voyage pas beaucoup, certains ne quittent jamais leur village. Et tout d'un coup, ils se retrouvent plongés dans cette grande aventure avec des camarades de leur âge, loin des tabous familiaux, et ils découvrent réellement une nouvelle liberté, un nouvel univers. Il y a quand même encore en cours de route des déserteurs assez nombreux qui vont profiter du manque de vigilance ou de moyens de leurs sous-officiers pour essayer de prendre la clé des champs. Rappelons toutefois que la désertion, c'est bien, mais qu'à l'époque, on est très contrôlé. Hein, quand on dit aujourd'hui qu'on est surveillé, etc., à l'époque, il faut quand même des passeports pour voyager qui doivent être signés de mairie en mairie. Il faut des autorisations. La gendarmerie est très présente. Donc, ce n'est pas la grande ère de liberté qu'on pourrait imaginer, que du contraire, on est très contrôlé. Alors, des exemples de voyages, eh bien, on en a beaucoup. Hein. On a Lambert Renard, par exemple, qui est originaire de Jupy, qui est né le 22 mars 1788, qui est conscrit pour le 57e régiment d'infanterie de ligne, qui passera après au 115e en 1808. Et lui, il écrit de Strasbourg, le 4 août 1807, pour parler à ses parents, les rassurer sur les premières semaines à l'armée. Strasbourg, ce 4 août 1807, cher père et mère, je suis arrivé le 2 de ce mois-ci, le lendemain j'ai été habillé comme vous voyez par la présente. Donc il a envoyé une lettre illustrée comme j'en ai montré une. Je n'ai rien d'intéressant à vous conter sur la route que j'ai faite, excepté que j'ai beaucoup souffert tant par la longueur du chemin que par la chaleur excessive qu'il faisait. La route que nous avons faite est tout à fait vilaine, excepté la Lorraine, qui ressemble pas mal au pays de Liège. Le vin y est abondant et la bouteille ici vend 3 sous. Cela fait que je me suis un petit peu réjoui avec mes compagnons d'infortune. Donc alors ça, c'est intéressant comme lettre, hein, parce qu'il y en a une caractéristique typique des Liégeois au sens large, c'est qu'en général, ils comparent absolument tout à la ville de Liège. Et rien ne trouve grâce à leurs yeux, sauf quand l'alcool y coule à flot et n'est pas cher. Alors, une fois qu'ils arrivent au régiment, c'est souvent pour intégrer des unités qui ont été partiellement ravagées par les combats. Et donc, ils vont combler les trous. Ils vont faire la connaissance de soldats qui sont déjà plus expérimentés. Et ce beau monde est souvent caserné dans des conditions, somme toute, pas trop désagréables. On dort quand même dans du dur. En général, on a une tente. Et alors, dès qu'ils arrivent, on leur donne un uniforme qu'ils doivent payer. Hein. Ils reçoivent un petit peu d'argent, ils doivent s'entraîner. L'entraînement, c'est 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Ils apprennent surtout en fait à faire des formations en carré, en ligne, en colonne, charger son arme, la charger en marchant, la charger en courant. Tout ça est très important. Évidemment, le drill fait partie de ces routines qui vous sauveront peut-être la vie en temps de combat. Il faut bien le dire, à l'époque, l'armée française est particulièrement redoutable. Donc le soldat français a un bon entraînement et est bon. Ils apprennent aussi à utiliser la baïonnette, à frapper avec une baïonnette, à frapper avec le dos d'un fusil aussi, etc. Vous avez une idée assez précise, évidemment. Donc c'est dur, c'est une vie fatigante, mais on peut dire que la satisfaction, elle est quand même perceptible. Le soldat est fier de recevoir son uniforme. On voit clairement qu'il est fier d'appartenir à quelque chose de majestueux, de grand, de prestigieux. Il y a peu de plaintes dans la correspondance des soldats au moment où ils rejoignent leurs unités. Alors on a un exemple, celui de Jean-Mathieu Duchesne. C'est un manœuvre, hein, lui qui vient de Frépont. Il est né en 1789. C'est un soldat qui est incorporé le 4 décembre 1808 dans le 39e régiment d'infanterie de ligne. Et il rejoint l'armée donc à Landau. Et alors donc on le voit, les premiers temps vont être très agréables. Mon cher père, je finis en vous embrassant de tout mon cœur. Je précise ici que je ne lis pas toutes les lettres parce qu'elles sont parfois très fastidieuses. Et je fais saluer mes parents et amis, tous ceux qui s'intéressent à moi. Je suis soldat pour la vie. Si j'aurais su qu'il faisait si bon dans le service militaire, il y a 4 ans que j'y serais. Si on me voulait donner mon congé, je ne voudrais pas. Je finis en vous embrassant de tout mon cœur. Alors, ça paraît très bien. Toujours est-il qu'il est mort l'année d'après, évidemment, dans des conditions pénibles à l'hôpital, parce que vous allez le voir, la caserne, ce n'est pas tout avec l'armée française. Alors,
Il faut le savoir, après un temps d'entraînement, les unités, évidemment, vont rentrer en campagne, puisqu'il n'y a que très peu de moments de paix. Hein. Il y a juste la paix d'Amiens durant le Premier Empire. Sinon, c'est un état de guerre permanent durant lequel les soldats liégeois vont être envoyés aux quatre coins de l'Europe et même parfois plus loin. Ce passage de la caserne à la vie de campagne, il est très dur parce que les conditions sanitaires, les conditions d'hygiène, les conditions de nourriture sont tout à fait différentes. La nourriture qu'ils reçoivent, eh bien, souvent le pain est vert, il est moisi, il est infesté de vermine, la viande est contaminée, l'eau est croupie, la maladie est omniprésente. On dort au mieux dans des granges, mais souvent on dort à la belle étoile, sous la pluie. Ceux qui ont la chance d'être dans la cavalerie marchent moins et peuvent dormir sous leur cheval pour se protéger des éléments. Mais sinon, ce sont des conditions pénibles. Parfois, on peut aussi quand même dormir sous tente, mais alors on dort avec un camarade de lit, donc vous êtes à deux dans un lit. Ça se passe parfois bien, ça se passe parfois très mal aussi. Il y a aussi évidemment des relations amoureuses qui se nouent dans certains cas. Et aussi, il y a la question de l'argent qui devient une obsession pour le soldat liégeois, comme d'ailleurs pour tous les soldats français. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'armée française théoriquement prévoit un salaire. Dans les faits, les soldats ne sont jamais payés. Ils ne reçoivent aucun salaire et pourtant, ils sont censés payer pour leur équipement, ils sont censés payer aussi pour une partie de leur nourriture. Et donc, deux solutions s'offrent à eux. Quémander auprès de la famille, ce qui veut dire que quasiment systématiquement, les lettres comportent au moins un paragraphe dans lequel le fils systématiquement, évidemment, dramatise un petit peu sa situation et fait appel à la générosité familiale, ce qui n'est pas toujours facile pour les familles, puisque tout le monde n'est pas riche. Sachez toutefois qu'il y a quand même un système déjà à l'époque de mandat postal. On s'est envoyé de l'argent par mandat à la famille. Et l'autre, évidemment, façon de se procurer de l'argent, c'est sur le terrain, en allant voler chez les civils, évidemment, voire en les tuant. J'y reviendrai, évidemment. Alors, je l'ai dit, avec les conditions, notamment les logements d'allaitantes, on a le compagnon de lit qui dort dans le même lit, dans la même literie que vous. Et en général, ça se passe bien. Il y a des amitiés vraiment très solides qui vont se créer. Mais il y a des cas parfois un peu plus amusants. C'est celui notamment l'infortuné Joseph Amoir, donc un soldat conscrit en l'an 11, qui va être gravement blessé en 1805. Louis, eh bien, un malheur m'est arrivé. Mon camarade a déserté. Celui avec qui je couche a emporté beaucoup de butin. Et de fait, puisque en fait, il est parti aussi avec l'entièreté de son équipement à Louis. Donc le Joseph Amoir, comme chaque soldat est responsable de son équipement, va être emprisonné le temps qu'il rembourse l'entièreté de son arme à feu, son uniforme, son sac, et donc obligé de quémander auprès de sa famille. Alors, la vie en campagne, elle est difficile, vous l'aurez compris, je pense. Il y a quand même des consolations propres aux jeunes gens de cet âge. Hein. Il y a évidemment notamment la boisson et l'amour qui sont des témoignages qu'on retrouve régulièrement dans les lettres. Alors on peut vraiment dire que l'alcool est quelque chose d'important dans la vie d'un conscrit, en particulier le vin. Hein, vous l'avez déjà vu avec ce conscrit qui parlait du vin dans certaines régions. Le vin, c'est un outil à la fois de détente, de socialisation aussi. C'est aussi une monnaie d'échange, on peut le dire, puisque on sait que les conscrits, par exemple, qui sont lettrés, vont se faire payer pour écrire des lettres à leurs camarades qui ne savent pas lire ou écrire. Parce que c'est une question qui revient souvent et qu'on me dit « Oui, monsieur Wilkin, mais il y a peu de gens à l'époque qui savent lire et écrire, alors est-ce que c'est représentatif ?» Eh bien oui, en fait, c'est représentatif parce que souvent, on a des lettres qui sont dictées à des soldats lettrés et alors il est mis en dessous de la lettre. Cette lettre a été écrite par le sergent Intel qui remet aussi ses amitiés à sa famille, etc. Donc on sait pertinemment bien que c'est un système très courant. Parfois même, les soldats disent clairement « Oh, ben, je suis très content parce que comme je sais lire et écrire, eh bien, j'ai reçu autant de bouteilles de vin. » Alors, il est évident aussi que les relations amoureuses sont au cœur des préoccupations. Après tout, nous avons des jeunes gens qui ont entre 20 et 25 ans.
forcément, c'est quelque chose qui les travaille. Il y a des déceptions amoureuses, puisque certains étaient fiancés avant de partir à l'armée et apprennent que leurs fiancés, las d'attendre, se sont mariés avec d'autres jeunes gens du village qui ont été plus chanceux. D'autres vont essayer de nouer des relations plus ou moins sérieuses avec des femmes qu'ils rencontrent aux quatre coins de l'Europe. Parfois, l'exotisme est évidemment aussi un attrait. C'est quelque chose de courant, de vraiment courant, qui est parfois expliqué par les conscrits, parfois pas, c'est tabou, évidemment, parce que tout le monde n'a pas la même religion, on a des protestants, évidemment, ça ne passe pas toujours bien avec des familles catholiques. Et puis, il y a aussi des difficultés qui sont parfois amusantes, qui prêtent à sourire, comme celle de François Paquet, un conscrit de 1811, qui, lui, a eu la chance de revenir en vie, qui écrit à sa famille. Comme vous le savez, j'étais libertin avant mon départ et je le suis toujours. Mais ce qui me déplaît, c'est que je ne comprends pas ce que les filles disent dans ce pays. Le malheureux est évidemment en Prusse et tout ça pour lui est bien étrange. Je tiens à dire que c'est un témoignage assez rare. Évidemment, se vanter d'être libertin, ce n'est pas courant à l'époque. Alors, vous l'aurez compris, l'amour est une chose, les relations sexuelles, c'en est une autre. Tous n'ont pas de vocation à trouver une épouse, sont plutôt là pour s'amuser, et on sait qu'ils ont des opportunités parfois multiples. On sait que c'est courant, hein, d'ailleurs, les relations sexuelles éphémères. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé notamment des corps de soldats napoléoniens, notamment, si ma mémoire est bonne, en Lituanie, on a retrouvé une fosse commune. Et je pense que plus d'un tiers des soldats français qu'on a retrouvés dedans présentaient des signes de maladies sexuellement transmissibles. On sait aussi qu'il y avait des régiments de prostituées qui suivaient les soldats, donc on peut imaginer ce qui se passait. On se rend bien compte, évidemment, que ce sont des choses qu'on ne raconte pas toujours à son père et à sa mère, surtout à l'époque, les mentalités étaient quand même encore plus fermées que maintenant. Donc on a peu de lettres, mais on en a quand même. On en a une que j'aime beaucoup, un certain Dieudonné Ouéry, qui disparaîtra plus tard, hein, donc probablement tué, qui écrit à sa sœur, Louis. Je vous dirai que je suis arrivé à Verviers. Le lendemain que je vous ai quitté, j'ai rattrapé mon camarade, à Malmedy avec deux demoiselles de Verviers qui l'emmènent avec lui. Pas un homme plus content que lui. Lorsqu'il m'a vu arriver, il m'a de suite présenté la moitié de son ouvrage, comme étant déjà beaucoup fatigué d'avoir cultivé depuis Verviers. Nous avons fait un petit voyage divertissant jusqu'à Mayence. Alors, il y a aussi quelques carnets qui ont été écrits par des Liégeois. C'est un petit peu différent comme source. Je n'ai pas pu résister à l'idée de vous partager cet extraordinaire témoignage. Alexandre Picard, donc c'est un Liégeois qui a survécu aussi, lui, puisqu'il est mort en 1853. Et lui, il a carrément fait une espèce de guide Michelin des femmes à travers l'Europe, hein, avec un classement qui est particulièrement sexiste, il faut bien le dire, mais bon, allons-y. Ses filles se laissent toucher facilement, mais pas autant que les Prussiennes. Si vous ne trouvez pas une amie en Prusse en une journée, vous ne valez rien. La Prusse est le bordel de l'Europe. Le Württemberg, l'Allemagne, la Pologne, la Russie, voilà l'ordre. Au sommet, les Prussiennes, elles sont pleines d'amour. Voilà, on s'en doute bien, il y a des difficultés, quelques réjouissances, on le voit, hein, mais évidemment, le cœur du métier du soldat, c'est évidemment la violence, forcément. C'est là qu'ils vont prouver leur valeur, ils sont là pour ça, pour se battre. Et on constate immédiatement, quand on lit ces lettres, aussi passionnantes soient-elles, que comprendre une bataille au travers des témoignages liégeois est quelque chose de particulièrement douloureux pour l'historien. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est mal écrit, vous avez un petit aperçu. Et souvent, le soldat est complètement largué par rapport à ce qui se passe. Il faut bien se dire aussi, à l'époque, qu'une bataille, c'est quelque chose de très confus. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu le film Waterloo des années 1970 ou sont allés voir une reconstitution napoléonienne à Waterloo. Mais en réalité, au bout de 5 minutes, vous n'y voyez plus rien, il y a une fumée invraisemblable, plus personne n'y comprend rien, et surtout pas les soldats peu éduqués qui ne reconnaissent pas les régiments. Donc, ce qui prédomine dans la narration du soldat, c'est l'anecdote, clairement, c'est vraiment l'expérience de la mort imminente, le combat qu'il a vécu, avec des exagérations multiples sur le nombre d'hommes, avec aussi
parfois quand même une envie de se vanter un petit peu, vous allez le voir. On peut dire clairement que à ce niveau-là, c'est une source peu fiable, en tout cas pour ce qui est vraiment de l'histoire avec un grand H. Par contre, pour vivre l'expérience du combat depuis le point de vue du simple soldat, c'est quand même assez poignant. Alors, quelques considérations générales. D'abord, eh bien, on se rend compte que le soldat liégeois qui fait partie des armées françaises, il a un certain sentiment d'invincibilité jusqu'au moins aux guerres de la péninsule en Espagne. 1808 donc, il a une confiance absolue dans ses chefs et évidemment en Napoléon. Napoléon, il y en a pas mal qui vont le voir, le croiser ou en tout cas participer à des batailles où il est le commandant en chef. Hein, je rappelle que ce n'est pas toujours le cas, qu'il y a aussi des maréchaux qui prennent les rênes sur certains champs de bataille. Et ils ont une foi aveugle, il y a clairement une admiration qui est universelle. Attention toutefois que le sentiment d'appartenance, c'est un sentiment d'appartenance à l'armée et c'est une admiration envers Napoléon, pas envers la France. Le soldat liégeois reste typiquement très liégeois ne voit pas une échelle nationale. On ne peut pas parler de nationalisme encore à l'époque. Vraiment, il reste attaché à ses origines. Ce n'est pas quelque chose d'unique à nos provinces. Hein. Les soldats normands, les soldats corses, même les soldats dans la région centrale de France se situent aussi plus à l'échelle géographique locale. Donc ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Toujours est-il que la motivation, elle est là. Alors, des témoignages, on en a sur des batailles particulièrement connues, évidemment. Je ne résiste pas à l'idée de vous en montrer quelques-unes. Alors, on a des témoignages qui sont très... qui ont été écrits très tôt, et notamment par des volontaires, parce qu'il y en a eu aussi dans les armées liégeoises avant la conscription, comme c'est le cas ici de Simon Le Personne, pardon, un soldat donc né en 1778, qui s'est battu à la bataille de Marengo, et qui a écrit de Lemon le 12 Thermidor de l'an 8. Je m'y retrouve dans mes pages. Voilà. Ma très chère mère, je profite du premier moment de tranquillité pour m'informer de l'état de votre santé et celle de toute la famille. Depuis le mois de Germinal, nous sommes partis du Mans pour nous rendre à Dijon. Sitôt que nous sommes arrivés, on nous a fait partir pour nous rendre en Suisse. Nous y avons trouvé beaucoup de neige. Nous avons passé une montagne qui se nomme le Mont Saint-Bernard, qui a plus de 20 pieds de neige. On le voit, ils n'ont jamais vu des montagnes enneigées avant, c'est quelque chose de tout à fait étonnant pour eux. Après, nous avons entré dans l'Italie, nous nous avons battu tous les jours, nous étions l'avant-garde de l'armée d'Italie. Le général Bompard a toujours marché à la tête de l'armée en nous encourageant, en disant « Courage mes frères, nous combattons pour la gloire et le repos de la Gaule, et nous aurons la victoire ». Enfin, ma très chère mère, malgré toutes les rivières et les forêts que nous avons trouvées, nous avons conquis en 2 mois ce qu'ils avaient mis 1 an pour prendre. Alors, cette lettre, elle est très intéressante, hein, parce que ce soldat liégeois, il a vu Napoléon, il a combattu avec, alors sûrement à une distance assez respectable, hein, on est bien d'accord. Et c'est intéressant aussi, parce qu'à l'époque, quand il écrit la lettre, le général Bonaparte, eh bien, il n'est pas encore si connu, on le voit, il se trompe même dans... le nom Bompard, comme il l'appelle. On peut aussi supposer qu'il a écrit sa lettre partiellement en s'inspirant des bulletins de l'armée qui étaient distribués, parce que cette belle citation « Courage, mes frères », etc., on a du mal à la voir répercutée sur un soldat qui est au bord de l'illettrisme. Voilà, donc ça, c'est un bel exemple. Deuxième exemple que j'ai à vous lire, il est absolument magnifique. Il s'agit d'un certain Toussaint Waltéry. Alors, c'est un nom, évidemment, qui résonne à l'oreille du Liégeois. Il s'agit d'un ancêtre du Waltéry connu, le père de Natacha. Et comme son descendant, notre ami Toussaint a un certain panache et un goût aussi pour la vantardise. Vous allez le voir tout de suite. Je tiens à dire d'ailleurs que François Waltéry est un bon ami et que ça l'a éminemment fait rire. Brenz, 5 niveaux de l'an 14, donc, c'est-à-dire le 26 décembre 1805 dans le calendrier de nos jours. Mon très cher père, je prends la liberté de vous écrire cette lettre pour m'informer de l'état de votre santé. Tant qu'à moi, je vais vous parler du combat d'Austerlitz, le plus fort des combats que l'on a jamais entendu parler, que les trois empereurs étaient en personne. L'empereur de Russie, l'empereur de Vienne et l'empereur de Français. L'empereur de Français a fait commencer le feu à 6 heures du matin.
La Russie et l'Autriche ont répondu 5 minutes après le feu et étaient si forts que l'on ne se voyait pas ainsi bas. Nous avons battu 3 fois en retraite, mais la 4e fois, nous avons mis la Russie et les Autrichiens en déroute. Nous avons battu avec la garde de l'empereur de Russie qui a été très fort. Nous avons battu. Je vous dirai que j'ai eu mon cheval tué dans la bataille d'Esterlix et j'ai bien manqué de périr, mais j'ai eu le bonheur de remonter sur le cheval d'un dragon qui venait d'être coupé en deux par un boulet de canon. L'empathie est au niveau zéro. Ici. Il a péri à la bataille 40 000 hommes français, 70 000 russes et 35 000 autrichiens. Vous imaginez quand même. Hein. C'est plus que les pertes, si je ne me trompe pas, de toute l'armée belge pendant la Première Guerre mondiale. Des blessés, je ne sais pas le nombre. L'on a enterré pendant 15 jours des corps morts, mais c'est bien glorieux pour moi d'avoir été à tant de combats, avoir eu mon cheval tué sans avoir aucune blessure. Alors on le voit ici, évidemment, l'individu se vante quand même très largement. Il ne faut pas oublier que les lettres étaient régulièrement lues, non seulement au sein de la famille, mais au sein du village aussi, hein, parce que ça permettait à des proches qui étaient partis aussi à l'armée, peut-être, d'avoir des nouvelles, en tout cas leur famille. Ça permettait aussi de donner un peu d'animation. Hein. Donc ici, Toussaint-Walteri, manifestement, en a bien conscience et se vante quand même très largement, plus que la moyenne, il faut le dire. Hein. C'est quand même un exemple particulièrement amusant. Alors, on va constater quand même un changement d'attitude, de mentalité à partir d'une certaine année. À partir de 1807-1808, le temps commence à devenir long pour nos amis conscrits. Je l'ai dit, théoriquement, un soldat qui était conscrit devait servir 6 ans dans l'armée française. Les années de guerre comptaient double, mais dans les faits, on se rend compte que eh bien, l'armée française ne respecte jamais ses engagements. Jamais, jamais, jamais. Les soldats qui peuvent rentrer entiers au foyer sont très rares. On sert jusqu'à ce qu'on soit tué, jusqu'à ce qu'on soit blessé. En plus, on n'est pas payé, on dort mal, on a beaucoup de maladies, les conditions ne sont pas rigolotes. C'est une perte d'argent pour la famille qui se plaint amèrement aussi. Donc, on a une lassitude certaine, surtout qu'il n'y a jamais d'issue en vue. Dès qu'une capitulation est signée, un autre État déclare la guerre, donc c'est sans fin. Et il faut aussi constater qu'à partir de 1809, eh bien, l'ennemi se bat de mieux en mieux. C'est un fait historique. Les différentes armées alliées vont commencer à se réorganiser, notamment sur le modèle français, utilisent mieux l'artillerie, ont une meilleure discipline. Et donc, ce qui était avant une promenade de santé, là où Napoléon pouvait battre des armées 3-4 fois plus nombreuses avant, eh bien, maintenant, il a beaucoup plus de difficultés et les pertes s'accumulent. Et c'est quelque chose qui se repère très facilement dans la correspondance. On voit cette tendance. Les Liégeois font preuve de moins de vantardise et de confiance en eux. Ce sentiment d'invincibilité s'envole et le pessimisme commence à venir. On le voit dans différents extraits qui sont ici. Hein. On a Guillaume Jeunechamp donc, qui se bat à Espernesling. Donc, je vais vous dire comment ça a été détruit par un boulet de canon. Donc lui, il a eu de la chance sur le coup, même s'il va encore devoir rembourser son sac, hein, je l'ai dit. Et il sera d'ailleurs tué plus tard en Espagne en 1811 lors de combats contre la guérilla. On a Henri Pasteguer aussi, un autre soldat qui s'est battu à la bataille de Wagram aussi, lui, et qui lui aussi d'ailleurs sera tué au combat plus tard, qui écrit pour dire qu'à la dernière bataille, il nous a resté 19 hommes sur un régiment entier. Donc ça vous donne l'idée des pertes, c'est le carnage. Et évidemment, beaucoup de Liégeois, comme beaucoup d'ailleurs de Français, vont partir se battre en Espagne, vous le savez tous. C'est une expédition qui va s'avérer coûteuse et surtout très démoralisante parce que les conditions sont tout à fait différentes du reste, évidemment. On peut dire de façon générale que les Wallons, comme tous les autres Français, vont détester leur expérience en Espagne. À l'époque, pas de Costa Brava et de club, mais la guérilla qui vous tire dessus constamment, des eaux croupies, la maladie, la chaleur, ils ne sont pas accommodés, la nourriture est étrange pour eux, ils détestent l'huile d'olive, ils détestent tout ce qu'ils trouvent. Et en général, ceux qui survivent d'ailleurs aux épidémies sont ceux qui boivent uniquement de l'alcool. L'eau est quasiment une signature de mort. Et évidemment aussi, le fait que le combat devient un combat contre des irréguliers qui ne portent pas des uniformes, jusqu'aux prêtres, hein, on le sait bien, qui vont tirer sur les Français, eh bien, ça va entraîner une démoralisation
croissante, mais aussi des débordements de plus en plus nombreux qui seraient qualifiés aujourd'hui, évidemment, de crimes de guerre, dans les deux camps d'ailleurs. Hein. On le sait, la distribution de nourriture, l'acheminement de la nourriture est systématiquement intercepté par la guérilla. Le courrier aussi, ce qui veut dire que les soldats ne reçoivent plus de nouvelles, ne reçoivent plus d'argent, ce qui est pénible pour eux. Et on va en arriver à avoir de nombreux dérapages qui sont très largement documentés dans la correspondance des soldats liégeois. C'est une grande différence, je pense, avec les conflits plus contemporains, comme la Première et la Deuxième Guerre mondiale, sujet que je connais assez bien aussi, où là, on est plus sobre dans sa façon de décrire les crimes de guerre. Alors, un exemple spectaculaire parmi tant d'autres, celui d'un certain Ferdinand Chantraine, qui, lui, est un natif de Oisège, qui sert dans le 3e régiment d'artillerie à cheval, et il écrit cette lettre spectaculaire depuis Madrid le 3 novembre 1810. Maintenant, nous sommes arrivés dans la capitale d'Espagne, mais cela n'a pas été sans peine. Nous fûmes tourmentés des brigands jusqu'à 3 fois la même journée de la route. Nous eûmes 3 hommes tués et 2 blessés, dont 1 à Miranda, entre Vitoria et Burgos, 3 tués et 1 blessé entre Valladolid et Ségovie. De Ségovie à Madrid, nous vîmes sur la route 9 Français égorgés, dont 1 avait les parties coupées et mises dans sa bouche, l'autre avait les yeux arrachés de la tête, les 5 doigts de la main gauche coupés et les tenois séparés de la main droite. Voilà comment ces brigands des montagnes arrangent nos pauvres camarades quand ils peuvent les attraper. En revanche, quand on les attrape aussi, on les fusille et on pend un poteau quelconque jusqu'à ce qu'ils soient mangés par les vers. Ne croyez pas que ces gens marchent 10 à la fois. Non. Jusqu'à 10 000 hommes, ils sont ensemble. Presque tous les jours, on fait des sorties de Madrid avec des pièces de canon pour les aller chasser des villages qui se trouvent aux environs de la ville. Enfin, chers parents, ma plume ne peut pas vous en exprimer autant que je voudrais vous en conter. On le voit évidemment, le contexte est pénible et sans les excuser, je crois qu'on peut comprendre les réactions de colère face aux civils, puisque c'est une guerre vraiment impitoyable qui se livre. On a d'autres exemples, évidemment, je vous l'ai dit. Le meurtre, la violence, tout ça devient le quotidien du soldat qui, proprement, est déshumanisé. Alors, c'est un phénomène qui a été étudié pour les guerres mondiales. Hein. Cette exposition à la violence entraîne, évidemment, une violence croissante et une désensibilisation, une déshumanisation. On le voit notamment dans le chef de François Sauvage qui raconte, Louis, qu'ils ont tué 2000 individus, des civils ici, nous ne prenons pas de prisonniers. Donc en fait, ils ont été harcelés par des troupes et ils ont rassemblé tous les individus d'une ville et ils les ont tous exécutés jusqu'au dernier. Alors 2000, c'est probablement exagéré, évidemment. Mais on voit quand même que les actes de violence sont nombreux. On en a même qui éprouvent du plaisir à tuer et qui n'ont aucun problème à le raconter à leur famille. Ce Nicolas Évrard, notamment, qui est un nom bien de chez nous, un conscrit de 1807, « Nous avons pris la ville et que nous y avons tué beaucoup de monde et ça m'a été un bonheur. » Donc ça, c'est quelque chose qu'il raconte à ses parents. Ça paraît inimaginable et pourtant, c'est bien réel. Alors, on le sait bien, évidemment, les choses vont de plus en plus mal hein, avec la guerre en Espagne, la guerre en Russie. On a un écroulement progressif des armées françaises et on va avoir une accélération du recrutement, évidemment. Alors que les effectifs demandés par Paris à l'époque étaient, vers 1802, assez minces, de plus en plus, on va racler les fonds de tiroir, on va revenir aussi sur des gens qui avaient été considérés comme inaptes au service, on va abaisser la taille réglementaire. Tout ça est un grand problème qui va entraîner des désertions généralisées dans le département de l'Ourthe. Nous avons fait des calculs savants sur base des registres qui sont aux archives de l'État. À certaines périodes, on atteint les 60, 70, 80% de désertion, ce qui est immense. Alors, question qu'on me pose, on a toujours cette image d'Épinal de la Première Guerre mondiale où on fusille les déserteurs. On le sait bien, même si en fait le phénomène reste assez marginal. Il est bien plus important durant les campagnes napoléoniennes, puisque je vous dis, quasiment tous les soldats désertent. On ne les fusille pas en général. Il y a 2 fusillés parmi les soldats du département de l'Ourthe pour des milliers et des milliers de déserteurs. En général, ils sont punis parfois de la peine du boulet, parfois des peines de prison ou tout simplement renvoyés dans des régiments. Parfois aussi, quand ils étaient cavaliers, eh bien, pour les punir, on les envoie dans un régiment d'infanterie.
Leur punition, c'est de marcher au lieu d'être sous le dos d'un cheval. Par contre, on peut quand même dire que, à l'approche de 1812, quand il s'agit de partir en Russie, eh bien, la nouvelle va commencer à se répandre, qu'on va marcher vers l'Est, et elle est bien accueillie par les Liégeois, qui reviennent parfois d'Espagne, qui ont peur d'y partir, et ils expriment leur soulagement d'aller dans un endroit où il ne fait pas chaud. Hélas. Et d'ailleurs, on peut le dire, les premières batailles sont relativement encourageantes, bien qu'on sache que la bataille de la Moscova, notamment, est une boucherie. Hein, c'est une des batailles les plus sanglantes du Premier Empire. Mais vous le savez tous comme moi, hein, la Grande Armée va être rattrapée par le général Hiver, cet hiver qui causera aussi la perte, 100 ans plus tard, des soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Cet hiver qui toujours frappe d'ailleurs encore maintenant pour l'instant en Ukraine durant le conflit, qui rend la situation pénible. Et on le sait, les pertes de l'armée française sont considérables. Hein, alors les chiffres sont toujours en discussion entre historiens parce qu'on a déjà parlé de 80-90%. On se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de soldats français aussi qui ont été faits prisonniers et qui ne sont jamais revenus, qui sont établis en France. C'est dur à chiffrer, mais tout ce qu'on sait, c'est que beaucoup de Liégeois qui sont partis en Russie ne sont jamais revenus, évidemment. Et forcément, le courrier, eh bien, il a été congelé aussi dans les plaines. On a très peu de lettres. On en a quand même quelques-unes qui sont parvenues, surtout des débuts de la campagne, ou alors de soldats qui ont eu la chance d'être prisonniers qui ont été échangés après par les Russes avec contre des soldats évidemment de leur propre camp. Alors, par exemple, dans certains Jean Herbrand sur la campagne de Russie, un homme sur 10 est revenu en vie. Je suis allé avec les Français à Moscou. Là, j'ai été capturé par les Russes qui m'ont tout pris. J'avais des montres en or et en argent et plus de 200 louis d'or dans ma ceinture. Ils ont tout volé. Alors, on serait prêt à verser une larme hein, pour Jean Herbrand, si ce n'est qu'on pense qu'il avait plusieurs fois le salaire annuel d'un paysan de l'époque, ainsi que toute une série de montres en or et en argent. On peut estimer qu'il les a probablement acquises légalement non plus. Donc, voilà, un donné pour un rendu. Alors, on pose aussi souvent la question de Waterloo. Quid de Waterloo, c'est quand même la bataille la plus emblématique du Premier Empire, et on peut même dire que c'est probablement la bataille la plus connue au monde. Au risque de vous décevoir, peu de Liégeois sont partis dans les armées françaises, tout simplement parce qu'en 1814, lors de la première chute de Napoléon, eh bien, les Liégeois, comme les autres d'ailleurs étrangers, ont été reconnus comme tels, et ont été démobilisés des armées françaises, sont revenus au pays. Alors il y a des Liégeois qui ont quand même servi dans les armées françaises à Waterloo, quelques dizaines d'après les chiffres d'un de mes doctorants. Pourquoi ? Eh bien parce que c'était des motivés, qui avaient souvent, réussi à devenir officiers, et qui avaient refait leur vie en France, qui n'avaient pas d'attache particulière avec la Belgique. Certains seront d'ailleurs tués au combat. On retrouve des Liégeois dans le camp opposé, évidemment, qui se battront dans les armées alliées. Alors, encore une fois, les chiffrer, c'est très compliqué. C'est une étude qui reste à faire, mais qui pourrait s'avérer passionnante. On a des témoignages très rares donc, de ces Liégeois. Notamment, on a celui d'un chirurgien qui travaille dans l'armée des Pays-Bas et qui soigne les blessés au lendemain de Waterloo et qui évoque évidemment le carnage. Alors, donc, on a vu, on a un aperçu assez global des campagnes napoléoniennes. Reste à évoquer un petit peu quelques sorts de soldats au travers de l'hôpital, de la mort, de la captivité. Vous vous en doutez bien, l'hôpital à l'époque, ce n'est pas le CHU d'aujourd'hui, hein, que du contraire, c'est quelque chose de particulièrement épouvantable. En fait, on peut même le dire... l'hôpital est quelque chose que les soldats essayaient d'éviter à tout prix à l'époque, parce qu'ils voient ça comme un mouroir. Il faut aussi savoir que, contrairement aux clichés qu'on pourra avoir, la majorité des soldats ne va pas mourir au combat, loin de là. On a fait des calculs savants sur base des registres. On se rend compte qu'en fait, plus de la moitié, voire les trois quarts des soldats qui décèdent à l'armée, eh bien, ils meurent de maladies. Alors, les maladies, elles sont nombreuses. Je sais que j'ai des médecins parmi l'audience. Hein, vous m'excuserez, ce n'est pas mon domaine. Mais on sait qu'on a des fièvres en tout genre, la diarrhée, le choléra, le typhus, qui sont décrits abondamment, évidemment pas avec ces mots-là, parce qu'à l'époque, les soldats ne savent pas mettre des noms sur les afflictions qui les atteignent. Mais ils décrivent suffisamment bien. On sait qu'ils ont aussi de la vermine constamment sur eux, des maladies de la peau en tout genre.
Alors c'est assez terrible, hein, en fait, parce qu'on a beaucoup de soldats qui meurent en chemin, qui ne supportent plus non plus les fatigues de la guerre, qui n'arrivent plus à avancer. On les met dans des chariots parfois quand on peut, sinon on les abandonne sur le bord de la route et ils meurent. Alors je l'ai dit, sinon quand ils sont stationnaires, on les met à l'hôpital. Mais l'hôpital est un lieu précaire avec des médecins incompétents, on n'en est qu'aux prémices de la médecine à l'époque, qui sont d'ailleurs souvent des étudiants en médecine, qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font, et voire qui sont parfois corruptibles puisqu'ils ne soignent leurs patients que quand on leur donne de l'argent. Donc souvent l'hôpital est synonyme de mort, et les soldats en ont très peur d'ailleurs. Alors on a Nicolas Crismer qui écrit par exemple à la famille d'un ami, il parle de Thomas de Flandre est à l'hôpital bien malade et peut-être qu'il va mourir car tous ceux qui vont à l'hôpital ils n'en reviennent pas. Je pense que c'est assez éloquent en la matière. Alors on a la captivité aussi. Alors vous connaissez probablement tous les fameux pontons britanniques qui ont été décrits très largement dans la littérature du 19e siècle. Si vous ne le savez pas, les pontons, ce sont des navires qui ne sont plus en mesure de naviguer, qu'on met en rade de port, comme à Portsmouth, etc., et dans lesquels on met les soldats français pêle-mêle en surnombre dans des conditions hygiéniques désastreuses. Certains Français du 19e siècle ont décrit ces pontons de façon absolument catastrophique et ont même été comparés récemment par des historiens français comme étant des espèces de camps de concentration avant l'heure. Je me permets d'avoir un avis très différent sur la question, parce que quand on examine les sources, eh bien, on se rend compte d'abord que la majorité des Liégeois, eh bien, ils sont envoyés dans des prisons sur la terre ferme et pas sur des pontons. En Écosse, dans le nord de l'Angleterre, alors certes, on peut déplorer le climat britannique, hein, que j'ai expérimenté moi-même pendant quelques années en y ayant vécu, mais pour le reste, en fait, ils ne sont pas si maltraités que ça, ils sont bien nourris, ils ont même la possibilité de faire du commerce avec les habitants du coin. On retrouve d'ailleurs de nombreux objets fabriqués par des prisonniers français dans des collections britanniques et donc aussi par des Liégeois. Les officiers, eux, sont carrément assignés à résidence avec la promesse formelle de ne pas s'évader. En général, à l'époque, ils ne le font pas. Et certains vont même, encore une fois, avoir des relations amoureuses, etc., etc. Mais donc, on peut dire que les conditions dans les villes qui concernent la majorité des soldats liégeois ne sont pas mauvaises. Alors, il y a quand même pas mal de soldats qui vont finir dans les pontons. Ils peuvent correspondre avec leur famille. Ils décrivent les conditions de captivité. Alors, beaucoup parlent de la compassion des Britanniques, paradoxalement, qui notamment vont fournir des prêtres catholiques, alors que nous sommes dans des milieux anglicans. De relations assez amicales finalement avec les officiers, avec leurs gardiens aussi. Pas mal vont s'entraîner aussi à apprendre des métiers. On sait qu'il y en a qui apprennent les mathématiques par exemple, qui apprennent de la théorie, qui apprennent à lire, à écrire. On a des lettres de soldats qui étaient illettrés avant de partir à l'armée. Et on sait aussi que l'homosexualité est relativement courante par des témoignages. Il y a notamment certains qui se prostituent, qui se vendent aux enchères. On a comme ça des témoignages. Il faut dire aussi que certains vont rester en captivité 4, 5, 6, 7, 8 ans, hein, parfois, avant d'être échangés. Donc le temps peut paraître long. Alors, vous allez me dire, oui, mais monsieur Wilkin, peut-être que tout ça est contrôlé par la censure et que dans la réalité, les conditions, c'est épouvantable et qu'ils n'osent juste pas le dire. Mais ça tombe bien, justement, on peut aussi faire des statistiques. On se rend compte que, eh bien, environ 10% des Liégeois qui sont partis sur des pontons ou dans des prisons britanniques sont morts en captivité. Ça peut paraître énorme, il faut bien se rappeler que beaucoup de soldats étaient prisonniers après avoir été blessés, notamment sur le champ de bataille, et ont été ramassés. Donc, parfois, ils partent en captivité dans des états alarmants et meurent tout simplement de leurs blessures. Et j'aimerais ici aussi mettre en avant que 10% de morts, eh bien, si on compare aux pertes des soldats liégeois dans les armées françaises, on se rend compte qu'un liégeois sur deux n'est pas revenu. Donc le sort d'un captif est quand même bien plus enviable que le sort de quelqu'un qui a fait son service et qui est resté aux mains de l'armée française. Alors que sont devenus tous ces captifs? Eh bien en fait ils ont subi le même sort que ceux qui étaient dans les armées françaises. En 1814, en 1815, ils ont été considérés comme citoyens étrangers, ils ont été libérés et ont fait le grand voyage pour retourner dans leur foyer aussi. Et après, que se passe-t-il pour nos bons Liégeois? Parce qu'ils vont rentrer dans leur foyer, en tout cas la moitié d'entre eux, l'autre moitié va végéter dans les sous-sols des champs de bataille. Je vous ai parlé de mon aïeul, hein, Georges Wilkin, lui qui a eu l'immense chance d'être déserteur et puis réfractaire et puis d'être renvoyé dans ses foyers parce qu'il était justement durant la paix d'Amiens et qu'on n'avait pas beaucoup de soldats. Il a eu énormément de chance, son frère aussi. Par contre, eh bien,
Beaucoup de jeunes gens vont donc y rester. Les deux frères qui restaient de Georges et Antoine Wilquin vont aussi partir dans des régiments d'infanterie. Et eux ont disparu dans les armées françaises, ne sont jamais revenus. Donc ça fait, comme je vous l'ai dit, 50%. C'est vraiment une moyenne qu'on retrouve à tous les niveaux dans le département de Lourdes et ailleurs aussi. Alors, on a beaucoup de soldats qui vont revenir dans leur foyer et tout simplement reprendre le cours de leur vie. Ils n'ont pas le luxe de s'apesantir sur leur sort ou de prendre des vacances bien méritées. Non, ils retournent à la ferme, travaillent et retournent dans l'anonymat complet. Les seules traces qu'ils vont laisser, donc, ce sont ces fameuses lettres qu'on a retrouvées dans les archives de l'État à Liège. Certains aussi vont être clairement perturbés par la vie qu'ils ont menée. Je pense, et ça c'est un phénomène aussi qui est connu hein, de par les guerres mondiales, que quand on est soumis à une violence constante, c'est difficile de revenir et de retrouver un foyer, de se marier, d'avoir une vie tout à fait réglée, alors qu'on a tué parfois énormément de gens dans des conditions particulièrement glauques. Et on le voit, on a une mini-vague de criminalité qui est le fait de vétérans napoléoniens dans la province de Liège dans les années 1820-1830. Je mentionne notamment l'affaire de 1820 d'un certain Pickel et Deschamps, qui sont tous les deux des officiers d'ailleurs. Un est chirurgien dans la Grande Armée, l'autre est lieutenant. Et eh bien, en 1820, ils vont se rendre au domicile de leur ancien capitaine, qui est établi à Liège aussi, qui habite place de l'Université, maintenant évidemment la place du 20 août. L'individu est en voyage en France, mais son épouse est là. Et chemin faisant, on ne sait pas très bien ce qu'il leur prend, il décide d'essayer de la voler. L'épouse réussit à se réfugier dans une pièce, hurle, la servante arrive, il la poignarde à mort de plusieurs coups de couteau, s'ensuit une course-poursuite avec des maçons qui travaillaient justement dans la maison d'à côté, ils empruntent la rue de la Sirène et puis vont finir aux alentours de la place cathédrale, réussissent à partir à semer leurs poursuivants mais ont été reconnus par l'épouse du capitaine en question. On les arrête les uns après les autres, en possession en plus de bijoux, d'argent. Ils sont en train justement de faire la fête, ça tombe bien. C'est le schéma classique. Alors ils sont tous les deux condamnés à mort et exécutés à quelques pas d'ici devant l'Opéra de Liège, hein, là où il y a la statue de Grétry, qui est l'endroit où à l'époque on met la guillotine qui va servir. Alors il y a d'autres affaires, il y a notamment celui d'un manchot en province de Liège qui a perdu un bras dans les armées de Napoléon et qui est insulté par des douaniers de passage dans sa commune alors qu'ils sont dans un café et les douaniers sont amassés à mort après sur un chemin. On reconnaît le manchot et deux de ses amis. On a aussi un maître d'armes des armées napoléoniennes qui va se battre en duel et tuer son adversaire. Évidemment, ce sont des gens qui sont rodés au combat. Donc on le voit, il y a toute une criminalité quand même qui est bien représentative du phénomène de violence. On a aussi quelques-uns qui vont commencer à raconter leurs expériences. On a vu, il y avait le carnet de ce liégeois qui a fait un classement des femmes d'Europe. On en a un ou deux qui vont faire ça, écrire leur mémoire. C'est très rare quand même, il faut bien le dire. On en a aussi une minorité qui va progressivement avoir des réminiscences et qui va se réjouir des souvenirs en se réjouissant aussi, en se regroupant dans des associations de vétérans. À Liège, on a une branche des Frères d'Armes de l'Empire, qui est une association qu'on retrouve partout en Belgique. Il y a des branches locales à Mons, à Charleroi, à Liège, à Ostende, à Verviers. Il y en a une aussi, d'ailleurs, à Verviers. Il y a toujours le drapeau et le buste de Napoléon qui sont conservés dans le musée de la ville. Et ces associations, elles regroupent une poignée d'individus. Mais on voit bien qu'avec la naissance du culte de l'empereur qui intervient notamment sous Louis-Philippe en France, la popularité de Napoléon devient croissante et la gloire d'avoir servi pour l'empereur devient de plus en plus forte alors que Napoléon, immédiatement après 1815, c'est un personnage détesté par beaucoup de Liégeois et par beaucoup de Français aussi. Hein. Mais il y a un renversement de la vapeur, notamment grâce aux efforts faits par le pouvoir français, grâce au mémorial aussi qui a été écrit par Lascaz. Toujours est-il que tout ça pénètre la société belge, la société liégeoise, et ça devient une fierté. Alors, que font les frères d'armes de l'Empire à Liège? Eh bien, ils se réunissent dans des brasseries, ils boivent beaucoup apparemment. Ils défilent aussi une fois par an lors de la Saint-Napoléon avec l'uniforme qu'ils avaient porté dans certains cas. Avec, après 1857, la médaille de Sainte-Hélène qu'ils ont normalement reçue. Il y a quelques-uns qui ont eu aussi la Légion d'honneur.
Et donc, ils vont être en activité de 1846 jusqu'à 1870-71. Je perds leur trace après, avec évidemment un nombre de membres qui va évidemment décroissant en fonction de l'âge. C'est une évidence. Certains sont même photographiés, d'ailleurs. C'est très intéressant aussi. Et donc, c'est vraiment une association qui va entraîner paradoxalement aussi une méfiance. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après 1830, l'État belge va se méfier de ces gens qu'on soupçonne d'être pro-français finalement, d'être et pas assez belgicain. Et donc il va y avoir une surveillance discrète des frères d'armes. Surveillance qui va d'ailleurs inciter ces derniers à avoir une certaine prudence. À partir d'une certaine année, ils vont commencer à rajouter à côté du buste de Napoléon celui de Léopold Ier et à côté du drapeau français, le drapeau des Belges. Bon, j'arrive au terme de cet exposé. J'ai d'ailleurs mis une magnifique photo d'un authentique soldat de la garde impériale, une photo très connue qui a été faite sous le Second Empire, qui pose dans un uniforme un peu fantaisiste, mais peu importe, il porte sa médaille aussi de Sainte-Hélène à la poitrine, la médaille chocolat. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Eh bien, tout d'abord, donc, aux archives de l'État à Liège, nous avons une collection qui est tout à fait unique, même en France. Venez nous voir, venez la voir si vous avez le cœur. Je vous recevrai avec plaisir, c'est gratuit. Et c'est un temple de la culture liégeoise. Alors, il faut se rendre compte d'abord que la majorité des soldats liégeois n'a pas choisi de se battre. S'il vous plaît, oubliez cette image qui circule du jeune héros décoré de la Légion d'honneur, une image qui est parfois véhiculée aussi dans les milieux de la reconstitution. Hein. Si vous allez à Waterloo un 18 juin, vous verrez des gens d'âge moyen qui comptent des récits parfois un peu fantasques, qui portent tous la Légion d'honneur. Au secours, non. C'était rare. C'est quelque chose qui arrivait très peu souvent. Vous l'aurez compris, l'image romantique, elle est fausse. C'est une création du 19e siècle, largement inspirée par Napoléon lui-même d'abord et ensuite par les régimes successifs qui ont profité évidemment des moments héroïques. Mais la vie du soldat napoléonien, elle est pénible, elle est dure, on est mal payé, on meurt, on est malade souvent. Et pour un soldat sur deux, il n'y a pas de retour possible. Toutefois, il y a quand même des joies. Je ne veux pas dire que tout est noir. Il s'agit quand même paradoxalement de la première vraiment grande période de tourisme de masse, hein, où réellement il y a un intérêt croissant parce que les soldats sont plus éduqués qu'avant pour les civilisations différentes. On raconte quand même à la famille ce qu'on voit, les montagnes. On se plaît en tant que liégeois à détester tout ce qui n'est pas liégeois et à le dire haut et fort. On est intrigué par la nourriture aussi. Il y a quand même un phénomène de curiosité qui est quand même très impressionnant et qui va créer une ouverture d'esprit et qui va aussi créer des phénomènes de curiosité qui va être contaminé. On sait bien notamment que l'expédition d'Égypte notamment a entraîné un enthousiasme certain pour l'égyptologie. Eh bien, c'est un petit peu le cas pour les autres cultures aussi. Donc oublions aussi l'idée qu'on meurt principalement au combat. C'est quand même relativement rare. 10 à maximum 20% des soldats liégeois sont morts au combat, tout le reste est mort, soit de maladie ou a disparu, et on ne sait pas très bien ce qu'ils sont devenus, mais probablement qu'ils ont fini congelés dans les plaines de Russie. Toutefois, rappelons aussi que, comme pour beaucoup de vétérans d'ailleurs, ceux en tout cas qui n'ont pas été perturbés et qui sont devenus des assassins en puissance après les guerres napoléoniennes, eh bien, le souvenir il s'est estompé et il s'est transformé. Ce qui était une expérience pénible de jeunesse est devenu une réminiscence parfois agréable, parfois aussi l'occasion d'aller boire un coup avec les copains et de se souvenir du bon vieux temps. Et sur ces paroles, je tiens à vous dire merci.